rencontres autour d'amitiés artistiques, qu'elles proviennent de la musique, avec Andy Moore ou Yannis Kyriakides, ou de Rudy Ricciotti, architecte, qui pratique de son côté un autre art. Il y a 20 ans, j'étais visiting professeur dans cette école de poètes branleurs. De poètes branleurs. Mais poète, ce n'est pas être branleur. C'est plutôt être seigneur, ou plutôt se branler à mort. C'est plutôt ça, l'activité poétique. Se branler à mort. C'est des amis de longue date, chacun séparément. J'ai voulu, à un moment donné, les mêler en quelque sorte à ma langue poétique, voir comment ces trois langues différentes, mais qui en même temps peuvent s'entremêler, s'interpeller, s'interroger, dialoguer, comment elles pouvaient, dans un moment in situ, fabriquer quelque chose ensemble. Le restaurateur, le maire, l'homme politique, le client, l'artificier, le président, le mécène, le boucher, le voyageur, l'enfant de cœur, le pigeon et le voisin, le coureur de fond, la mère pour pousser l'hystérique, le peintre, le jockey bleu et gitan, la jeune femme facile, le fou et le héros, le laidron du village, le séducteur et le prince, le garçon enthousiaste, l'annonceur et le curé, le garde du corps, l'oriental et l'huissier, le bouc émissaire, l'auteur populaire et l'infirmière, la marâtre sourdingue, le sculpteur baroque et le messager. C'est la première fois qu'on se rencontre sur un plateau, sur une scène. C'est, je pense, aussi la dernière fois. L'idée, c'est voilà, c'est une parole prise dans un endroit à un moment donné. Ce n'est pas appelé à se renouveler. C'est pas un objet qui est en train de se constituer. C'est juste une prise de parole autour de deux questions. Qu'est-ce que la poésie et qu'est-ce que l'architecture? J'ai peur. Ultima ratio populi, gravé sur la façade de l'édifice que vous venez de voir. Le pouvoir politique était vacant. Ça n'avait pas donné un nom à ce lieu. Donc j'ai fait graver dans le béton Ultima ratio populi, l'ultime parole donnée au peuple. Avec le temps, je me sens moins anxieux. Nous sommes dans un processus itératif de création de prototypes, l'autre de la même idée, la même pièce de toiture, mais pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, ne nous infligeons pas une écoute passive des poncifs ambiants sans se saisir du locuteur. La Fondation m'accueille depuis un an maintenant autour d'une résidence de travail et d'écriture sur l'objet Soirée Nomade. Voilà, c'était naturel pour moi de venir à cet endroit-là présenter ce type de parole-là. Dans un instant et dans un espace particulier. Voilà, tous les éléments sont réunis à un même endroit, à un même moment, et on voit ce que ça fabrique.